Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Foundation. Et je viens tout juste de lancer la partie et je constate déjà deux choses. Donc d'une, j'ai un message. Donc l'église a remarqué ma dévotion, n'est-ce pas, bien sûr. On va valider. Et je constate également que la population n'est absolument pas contente. Alors j'espère que le jeu va se rééquilibrer parce que on était un peu en galère, hein, j'avoue, quand on a quitté la partie la fois précédente, mais pas à ce point là. Enfin, j'ai pas souvenir. On va également attendre que notre force militaire reprenne vraiment bien toute sa force avant de les renvoyer, parce que je trouve que ça sert pas à grand chose sinon. On a l'église qui est en cours et j'aimerais bien qu'elle se manie un petit peu le cul, parce que mes habitants en fait ont surtout besoin de foi. En fait, c'est les habitants qui demandent ça en particulier. Donc j'espère qu'ils vont se manier le popoting, n'est-ce pas? Alors autrement, on avait, c'est vrai, commencé à produire du pain au niveau de nos stocks. Je refais un petit tour vite fait parce que je me souviens de ce qu'on a fait la dernière fois, mais pas dans les détails non plus. Alors là, le pain, je crois qu'on en avait mis là aussi. Non, pas là. Mais t'es où, pain? On avait mis du pain où autrement? Mince alors, hein. Ah, ça va pas du tout. Attendez, on va mettre du pain par ici parce que... Bah, crayon de nom, je pensais qu'on en avait mis ailleurs. Parce que là, c'est blindé. Donc là, t'es en train de faire la farine. Ça, c'est ce que tu aurais en stock, si j'ai bien compris. Oui, je sais pas où j'avais mis ça. Ouais, les habitants sont vraiment pas contents. Hein. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Un moine requiert l'audience. Que veux-tu? Tu veux des outils? Bah, c'est mort. Attends, je les paye mes outils. Tu crois quoi, toi? Bon, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Attendez, que je remette un petit peu mes villageois. Pourquoi il... qu'est-ce qui va pas? Impossible de trouver un lieu de travail. Dont tu fous de ma gueule. Vraiment, bon, vraiment, dont tu fous de ma gueule. Ça va pas le faire. Parce qu'il y a là, hein, que j'attends. Il y a là, que j'attends aussi. Donc... non, non, tu vois. Ok, donc il y a bien du monde qui va pas pousser mémé dans les orties non plus. Donc en fait, là, ils ont tous... Je suis en train de pointer du doigt mon écran, mais vous le voyez pas. en fait, ils ont toutes les ressources qui sont arrivées. C'est vraiment du travail de construction en tant que tel. Hein. Putain, puis j'ai mes villageois qui sont en train de partir. C'est la fin du monde, là, les amis. C'est la fin du monde. Vraiment, faut qu'ils mettent les bouchées doubles là pour l'église. Ça va leur faire du bien. Et une fois qu'on aura cette église là, on verra si ce sera suffisant ou pas. Parce que. Oui, bah, un peu de patience quand même. Mais autre, faut pas déconner non plus. Influence des fidèles. On est à 40. Je crois que le toit. On était à 35. On était à 35. Donc ça monte. Là, je crois que je l'avais pas mis en... Ah, la construction est en pause. Ok. Donc en fait, 4 voyageurs passés par là, 0 ont décidé de rejoindre le village. On se demande bien pourquoi. Et pourtant, on continue de gagner de l'argent. Donc c'est qu'on n'est pas trop mal. Niveau baisse, ça va encore.
Je suis en train de faire un petit peu le tour. Pour l'instant, ça va. On va vraiment, vraiment attendre que ce soit bien remis sur pied avant de faire autre chose. Oh, bordel de... Pardon. Bon sang de bonsoir. Une intempérie. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est tout ce qu'il nous fallait. On n'avait pas encore eu d'intempérie, d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir. On n'avait pas encore. Je voulais afficher quoi, moi? Les ressources. Les ressources. Bon sang, c'est pas où que je les ai. Là. Voilà. Donc, on a, je cherche le poisson. On a 125 de poisson, on a 269 de pain. Ouais, on devrait arriver à tenir, on devrait y arriver. Je vous promets rien, mais on devrait y arriver. Manque trop souvent de foin. Mais ouais, c'est pas encore fini. Hein. Ah, maniez-vous les fesses, s'il vous plaît. J'ai peur que ce soit pas suffisant, qu'il en faille une autre en fait. Parce que là, on est... Ah non, 80. Bah non, ça va être bon alors. Ça va être bon, faut juste attendre que tout soit fini de construire. T'avais mis une maison là, toi. Au niveau d'ailleurs des zones, j'en suis où? Alors, attendez. Non, ça c'était avec toi. Voilà, bah les zones, j'étais dessus. Ok, j'avais mis une maison là. Très bien. Alors, extraction, on va enlever ici. J'avais peut-être mis une zone par là-bas pour que... Pour qu'ils puissent se rapprocher un petit peu des lieux de travail. Donc là, on a le grenier. Là, on a le bûcheron. Parce que niveau bois, finalement, on est pas trop mal. Hein, finalement. Pas trop mal du tout. Ouais. Et vous êtes au taquet. Ça c'est le reboisement. D'ailleurs, reboisement. Ok. Extraction. Ah, mais c'est pour ça qu'on n'a pas trop de... On n'a pas plus de bois que ça non plus. Attendez, merde, j'ai fait une boulette. C'est que en fait, ici, il ne coupe pas. Ce serait peut-être bien qu'il coupe aussi. Parce que quand on va se mettre à faire des constructions vraiment de la mort qui tue, il va vraiment nous falloir max de ressources. Donc ce serait bien qu'ils nous remplissent. Parce que ça, c'est pas rempli. Qu'est-ce qui est pas rempli? Ça non plus. Non, non, bah les gars, vous me remplissez tout ça. Attendez. Ouais, du bois, il nous en faut. Là, on est comment? Oh là là. Maniez-vous un peu là les gars. Ah, 16, on remonte. On remonte. Bon, lentement mais sûrement. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, ils vont me le construire ce truc ou quoi? Ils sont combien de bâtisseurs là? Qu'est-ce qui va pas? Pousser de trouver un autre travail. Oui, mais ça encore, c'est pas trop grave, c'est plein. Ça veut dire qu'il me faut du lieu de stockage en plus. Promotion disponible. Promotion disponible. Bon, on va promouvoir cela. Promouvoir à roturier. Oh là là, promouvoir à roturier. Alors, attendez, on va faire le niveau 6 déjà. Ça nous en fait 2. Et j'ai vu des niveaux 5 ou au moins un niveau 5 au début. Voilà, j'en ai 1, 2, 3,
un niveau 5 ici aussi. Et ce sera amplement suffisant parce que les cocos, après, va falloir leur fournir hein, ce qu'il faut. Et oui, et oui. Ça m'inquiète, ça, qu'ils soient pas très, très rapides. Je comprends pas. Une maison se modernise, mais... Ah, j'ai du monde qui revient, c'est déjà un bon signe. Là, je vous cache pas, j'arrive pas à voir pourquoi mes bâtisseurs vont pas travailler. Je vais te mettre en transporteur. Ici, on va voir les boulots où il y a personne. Ah, cabane de pêcheur, il y a personne. Cabane de récolte, il y a personne. Alors, pêcheur, pêcheur, là. J'ai dit cueilleur, voilà. Ensuite, cueilleur, non, ça c'est bon, ok. Fermier assigné, pareil, manque du monde. Donc, je cherche... Fermier, voilà. Ok, j'en ai deux qui sont sans emploi, donc on va les mettre de suite. On va les mettre tout de suite donc dans bûcheron et je vais te mettre dans transport. Voilà. Mission disponible, oui, moi je veux bien, mais est-ce qu'ils sont en forme? Quelle est la question? Ouais, formé partiellement, on va attendre encore un peu. Je préfère. Donc là, normalement, c'est fini. Pas encore. Sélectionner le ton de la note. Ah, oh, mais c'est nouveau, ça. Donc on va laisser comme ça. Moi, je m'en fiche. Donc, il va rester que la croix. Mais là, ils peuvent prier, là. Ok. Ok, donc l'église, ça y est, c'est bon. Impeccable. Bon. Et au niveau de la place, putain, c'est stylé, on n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça. Ah, ça y est, c'est parti. Ok. Un émissaire approche. Bah viens. Là c'est là, c'est pour... Ah attends, j'ai du... Ah bah voilà, j'ai du monde. Bah, si j'étais trop accaparé par l'église. Alors, vous voulez quoi? Des baies. Hein, autant te dire que ça va être l'hécatombe là, avec le ciel qui nous tombe sur la tête. Donc non. Et mes bâtisseurs, ils ont pas l'air de... C'est quand même dingue ça. Il me faut un transporteur et un mineur. Alors, on va mettre mineur et en transporteur. Et il manque quoi d'autre? Ah, voilà. Donc, il a fini. Donc, il me faut un pêcheur en plus. Pêcheur, pêcheur, pêcheur. Ah, mais là, je vois que dalle. Là, pêcheur. Ok, très bien. Et j'ai un qui est encore sans emploi. Niveau ressources, donc pêche on est bien, pain on est bien, donc je vais garder ce monde là pour... on va partir vu que là ça commence à remonter. Je pense que les... J'ai des maisons qui ont upgrade ou pas encore. J'ai l'impression en fait qu'il manque de place pour s'installer. Ben non, pourtant, vous avez masse de place, c'est les cocos, là. Faut peut-être pas non plus... Faut peut-être pas exagérer non plus, là. Est-ce que je vous mettrai pas les petits puits à droite, à gauche? On va en mettre un ici. Voilà. Là, j'en ai un là. Là, j'en ai un là.
On va mettre un autre par là. Ah, c'est hors du territoire. Dans ce cas-là, on va mettre par ici. C'est vrai qu'on manque de fleurs, hein, finalement. J'ai des sous. On va mettre un peu de décoration. Alors, décoration. Des clôtures, bah pourquoi pas. Alors, où est-ce que je pourrais mettre des clôtures? J'ai pas des choses qui donnent un peu plus de... un petit peu plus de... Mince, comment dire... Oh la vache! J'aimerais que les gens soient un peu plus contents en fait. Non, c'était pas le bon bouton pour en faire plusieurs. Ah, des arbres! Mais oui! Des arbres, on en a aucun! On en a aucun. On va essayer d'en mettre quelques-uns. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver à trouver mon fichu bouton qui me permet d'en mettre plusieurs, j'en assume. C'était pour ça. Inconvénient quand ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Ah, par ici, ça fait plus. Par ici. Voilà, j'ai trouvé mon bouton. La nana qui est trop fière parce qu'elle a enfin trouvé son fichu bouton. Mieux vaut tard que jamais. Hein. D'ailleurs, en termes de... Ben si, on est dans des zones qui sont pourtant pas trop mal. Hein. Bon, là, évidemment, il n'y a rien, mais... on va mettre des choses par ici. On va décorer ça. Décorer un petit peu notre village. Merde, j'ai fermé une fenêtre. Parce qu'ils disent qu'ils veulent pas s'installer à 66. Hein. Putain, ça remonte bien. Ouais, c'est le temps qu'ils aillent faire le plein de foie. Ouais, l'église elle est déjà blindée, quoi. Donc on a 86 habitants. Vous voyez, il y en a 6 qui... peuvent pas avoir la capacité d'y aller, on va dire, un peu en même temps. Bon, étant donné que j'ai des sous, on va étendre un petit peu notre territoire. Alors, par où on pourrait l'étendre? Par où? On va prendre ça. Voilà. Et on va commencer à mettre des choses. Alors, on va mettre la bergerie. Ça me paraît pas mal. On va mettre ça ici. Très bien. Donc vous, quand la bergerie sera finie, bah, je vous mettrai au poste qui convient. Et niveau bouffe, franchement, on est bien. Hein. J'avais un peu peur, mais finalement, on est bien. Ça devrait... Je sais plus combien de temps ça dure d'ailleurs cette intempérie. Mais on va bien tenir, on va bien tenir. Je vais remettre du pain ici parce que j'ai l'impression en fait que lui tout seul il arrive à bien produire. Pour l'instant, on produit plus que ce qu'on consomme. Donc ça, c'est parfait. Niveau farine, j'ai l'impression que t'as pas de place non plus. Bah écoute, j'ai bien envie de te mettre là. Comme ça, ça permettra de vider un petit peu le stock. Parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'y arrivent pas. Ah, bah voilà. Alors on va tous les promouvoir. Eux, comme ça, ils vont se mettre à mettre des maisons. Alors, j'ai un niveau 5 ici. Je pense qu'après, ça va bien. Allez, impeccable. Oh bordel, on n'a plus de sous.
Pourquoi on n'a plus de sous? C'est quitte parce qu'il est malheureux. Mais bah, t'es pas sérieux. Alors attendez, liste des lieux de travail. Donc, il manque un bûcheron et il manque un transporteur. Ok. On a deux personnes qui vont arriver. Et les sous ont l'air de remonter un peu. C'est peut-être les baies, étant donné qu'on n'a plus les masques, qui se vendent assez mal. Alors après, mes chevaliers là. Parfait, bah, je vais tous vous envoyer. Alors, on va faire une facile. Hop, voilà. Et c'est parti. Non, attends. On va assigner tout le monde cette fois-ci. Mais, tout le monde de nous. Voilà. Parfait. Et envoyer. Voilà. Ah, on a une maison qui se construit ici. C'est pas mal. J'en ai pas d'autres hein, qui se construisent. Ça m'embête quelque peu, ça. Mon bailli. Je sais pas s'il peut... S'il peut, en fait, aller me chercher... des gisements, parce qu'on n'en a pas, en fait, sur notre territoire actuel. Ah, mais je sais pourquoi on a perdu des sous. J'ai acheté des trucs, mais on était quand même haut. Ah, on perd de la thune. Je pense que c'est les baies qui nous foutent dedans. On n'a plus grand chose donc. Parce que mes marchés. Mes marchés, ouais, elle a pas grand chose en stock en fait. Si ça se vend. Hein. Là, 36, 50. 82, ils sont contents les gens, ça fait plaisir à voir. Ok. Alors, on va mettre quelqu'un dans la bergerie. Voilà. Et on va créer des moutons. Voilà. Et, parce que là, c'est pour de la bouffe. Il va nous falloir pour stocker... Alors, c'est pas le grenier, c'est l'entrepôt. Il va nous en falloir un également. On va le mettre par ici. Et on va essayer de, hop, de s'étendre par là pour... Je mettrais bien une deuxième bergerie aussi. Parce que alors attendez, de mémoire, il me semble que sur mes parties précédentes, je mettais en gros deux bergeries pour un tailleur et un... Enfin, un qui faisait le tissu et un tisserand, donc, et un pour le ceux qui confectionnaient les vêtements, il me semble. Donc déjà, on va avoir nos 400 emplois. Je vise encore mon écran. Moi, je vous parle comme si vous étiez devant moi, hein, je vous jure. Parce qu'en bâtisseur, j'en ai un, deux, trois, j'en ai pas tant que ça. Hein. Je comprends pas pourquoi les autres, ils voulaient pas bosser quand même. C'est un truc de fou. Ok, bon. Ça, je vais enlever. Je sais que ça va se calmer quand j'ai de nouveaux villageois. Perfect. Parce que l'entrepôt, déjà, va me prendre du monde. Alors, non, c'est pas ça que je voulais. C'est toi. Tu voudrais des baies? J'ai dit non. C'est la cata, là. Attends. Oh là là, niveau sous. Mais c'est les sous. Mais ça m'inquiète. Attendez, le budget, il nous faut. En termes de revenus, ben non, on devrait être au-dessus. Je comprends pas. Parce qu'au niveau de l'entretien, on est inférieur à ce qu'on récupère. Ah, le poisson, ça se vend bien. Ça se vend vraiment très très bien. Parce qu'après, on pourrait vendre du poisson et on pourrait vendre également du pain. Ah, je sais pourquoi ça baisse aussi. On a peut-être eu besoin d'acheter des outils. Ça nous fait pas mal baisser les outils. Et vous voulez pas venir par ici? Ça me...
m'inquiète, cette histoire, ça m'inquiète. On va mettre des petits buissons parce que là, c'est rouge, ça n'a pas du tout. Difficulté moyenne, distance éloignée, chance de réussite très élevée. Allons-y. Je vais mettre des petites décos. Alors, attendez, des petits buissons. Ça, c'est pas mal. On va mettre par ici. Hop, on va en mettre par là également. On est comment là? Ça atténue pas des masses, hein? Pas des masses, pas des masses. Hein. Et bah écoutez, je pense que les maisons, on va peut-être plus les mettre par ici en résidentiel. Parce que les gens, va falloir qu'ils viennent par ici pour travailler. Je vais en avoir besoin par là. Ah, construction de l'entrepôt, très bien. Donc, on va mettre du monde. Voilà. Et on va mettre de la laine. On va mettre de la laine. On va mettre du tissu. Et on va mettre des vêtements. Voilà. Et il nous reste encore 400 emplois. Donc ça, ça, ah ben ça c'est fait. Parfait. Voilà, on a les petits moutons. Alors toi, tu veux quoi? Ok. Non, toi. Oui. Très bien. Bah, le bois, ça a bien remonté. Très bien. Parce que dis donc, là on est full. Là on n'est pas full. Hein. Là on n'est pas full non plus. C'est bien, une bosse. Une bosse, une bosse. Là. Là on a encore de la. Ah, mais tiens, on va mettre une personne par là. Voilà, je vais faire le tour un peu des lieux. Parce que s'ils ont pas de boulot, ils vont pas être contents non plus. Il y a plein de choses qui font qu'ils sont pas très contents. Mais elle va se finir un peu ce temps de move là. Parce que ça. Visuellement, c'est pas. C'est pas quoi. Vous voyez. Et on est à 93. Mais ça c'est pas mal. Non, là, on va les ramener. On va les ramener pour qu'ils se soignent. Ils vont nous ramener un peu de sous aussi. Et puis on va commencer un peu les vêtements. Ah, on a une maison qui arrive. Et on a déjà de la laine. Ça c'est cool. On a une maison qui s'installe. On a une maison qui. D'ailleurs, il y a 7 villageois qui manquent. Donc ça veut dire qu'ils ont tous une maison. Hein. Donc normalement j'ai pas. Déjà. Je fais que ça, les promouvoir, moi. Ah, les promotions aussi, ça coûte cher. Non, mais je connecte mes neurones, hein, vous ne tracassez pas, ça prend un peu de temps. Mais tout va bien se passer. Et j'ai un niveau 5 ici. Et hop, ce sera suffisant. Ça va faire baisser un peu le... Ah, une maison se modernise. Très bien. Très bien, très bien. Ok, donc là j'en ai deux qui s'installent. Là j'en ai une qui s'installe, mais c'est génial. C'est génial. Très bien, très bien. Alors, puisqu'il s'installe par là, c'est perfect. On va continuer dans notre lancée quand j'aurai des sous. Ah, là c'est bon. Attends. Allez, donne-moi les sous-sous. S'il te plaît, donne-moi des sous-sous. Voilà, hop, c'est mis. Donc, du pain, du fer, des outils, ça c'est cool. Du pain, du fer, des outils et des pièces d'or. Ça fait plaisir. Parce que, comment dire, c'est un peu la pauvreté. Par contre, ça va pas nous donner des masses d'emplois. Alors attendez, j'ai mis un tisserand. Il me faut un tailleur. Voilà. Oui, la mission, t'es mignon toi, mais il faut qu'il se
Ah, j'allais dire qu'il se repose, mais non, bah yallah, vas-y, on enchaîne. On enchaîne. Chance de réussite impossible. Donc bah j'annule la mission. Ah bah non, impossible, je suis bête. Mais c'est normal, j'avais choisi personne. Mon dieu, je vous jure. Voilà. Très élevé. Les doigts dans le nez. Voilà, perfect. Ça c'est fait. Allez, me ramener encore d'autres sous. Ah, ils sont contents, ça fait plaisir. Je pourrais d'ailleurs remettre... parce que là, en fait, je commence à avoir d'autres maisons. Mais ils vont être loin, en fait, de l'église. Donc, je pourrais éventuellement faire une espèce de petite chapelle. On va attendre que j'ai fini de construire ça, qu'ils aient fini de construire les maisons. Parce que mes bâtisseurs sont quand même pas mal sollicités. Et ils sont peu nombreux. Hein, j'en ai, oui, que je disais tout à l'heure, 3. Donc, ouais, c'est un peu court. Donc, toi, tu te modernises ou tu te construis? D'amélioration. Ok. Toi, par contre, t'es en cours de construction. Amélioration. Non, construction. Très bien. On est à 94. Mais elle va finir. Ça me... Je voudrais arrêter l'épisode avec un beau temps, histoire d'avoir une belle miniature. Mais le jeu est au taquet hein, pour un temps tout pourri, il n'y a pas de problème. J'ai bien envie de faire une petite église un peu par ici, pourquoi pas. Comme ça, bah, ça permettrait d'alimenter en foi en fait les maisons qui vont se mettre par là. Parce qu'au niveau de la zone, on est comment ? Au niveau de la zone, ouais, on va pouvoir l'étendre. J'efface pas ça. J'en ai bien besoin. En résidentiel, bah ça, on va l'effacer. Et toi, par contre, tu peux venir par là. Vas-y. Fais-toi plaisir. Venez. Ah, on peut mettre des arbres. On va mettre des arbres. Est-ce que j'ai un puits pas loin déjà? Ah, on a du monde qui s'arrête. C'est cool. J'ai pas envie d'en mettre trop près des habitations parce que... Sinon, s'ils décident en fait d'améliorer leur maison, ils vont plus avoir trop de place. Ça va être un peu embêtant. J'aime bien parce que ça fait très naturel ce que je suis en train de faire. Et moi, le naturel, vous connaissez à bien connaître. J'adore, c'est très important. La symétrie qui prend quand même pas mal le dessus, mais c'est un détail. C'est un détail. Je les ai mis bien là où c'est pas dans la zone en plus. J'adore. Franchement, j'adore. Très, très intelligent, j'aime beaucoup. Mais c'est pas grave. J'ai bien envie de mettre. Hop, voilà, des petits pâtés un peu, oui, à droite, à gauche. Voilà. Un moine arrive. Quel soulagement, voilà, ben enfin. Enfin, ah, c'est quand même plus beau, non? Franchement. Ce village, c'est magnifique. Il est magnifique, ce village. Non, mais ça va, hein, niveau... On est bien. Donc c'est bien parce que là, le... vas-y. Niveau baie, ça devrait remonter parce qu'en fait, les... Quand il y a la pluie, la productivité au niveau de la pêche augmente, mais celle des bêtes diminue. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu tendu au début. Ah, oh, je peux en mettre deux, mais ça c'est bien, ça m'arrange bien ça par contre. Et là, un seul, ok. Très bien, donc j'ai encore 4 personnes sans emploi. Et au niveau de la laine, oh là là, on est déjà blindé.
Bah, je vais refaire un autre entrepôt. De toute façon, les entrepôts, ils sont pas perdus. Je vais en mettre là. Voilà. Alors, le moine, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des planches? Alors, voyons voir. Qui on a besoin de dorer la pilule? Ah, ça, on va le débloquer. Là, c'est la noblesse qui pourrait être pas mal de... Alors, attendez, la noblesse. Ouais, on va aider le roi. Comme ça, il va être content. Et ouais, pourquoi pas faire l'église rustique par ici, justement. Ouais, mais ouais, vas-y, valide, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Très bien. Bon, bah, je vous cache pas quand même que j'ai eu chaud aux fesses. Vraiment. Vraiment chaud aux fesses. Au niveau de la satisfaction de ma population, j'étais quand même assez inquiète. On commence à avoir nos premiers vêtements. Ça, c'est grave, grave cool. On a 4 tissus, 4 de vêtements. On a de la laine, à plus savoir quoi en faire. Donc là, c'est cool parce que la laine, ça va faire un peu comme la farine. On a pas mal d'avance. Donc, ils vont pouvoir produire. Donc, c'est bien parce que comme ça, on a une partie de la population qui va être contente. Et on va pouvoir, je vais le faire maintenant, dès à présent. On va éditer et on va, voilà, ajouter... un stand de marchandises ici et on va en mettre un autre par là-bas. C'est vrai que j'avais gardé les arbres, ça a commencé à être un petit peu le bazar tout ça. Alors attendez, on va faire éditer. Non, ramenez-les-moi. Ont été vains lors de la bataille et inspiré certains de vos villageois. Ils souhaitent construire un chef-d'œuvre du jardin médicinal. Oh, la vitesse de rétablissement du soda est augmentée par 2. Conditions de construction loin des autres constructions. Stylé. Ça, vous voyez ça, par contre, je l'avais jamais eu encore sur mes parties précédentes. Donc c'est bien parce que ça fait partie des petites découvertes que j'ai avec vous au niveau du jeu. Il y a du contenu qui est ajouté de manière très régulière. Hein. C'est encore un jeu qui est en early access. Donc en fait, ils ajoutent beaucoup de choses. Il y a encore pas mal de contenu hein, qui est en prévision. Sur la page Steam du jeu, pour celles et ceux qui sont intéressés. Bon, c'est en anglais. Hein, faut avoir un niveau d'anglais ou alors un bon Google Trad. Il vous explique en fait ce qui est en cours de... Ce qui est en cours en fait de développement, les fonctionnalités qu'ils vont implémenter dans le jeu. On va avoir des choses très très intéressantes qui vont arriver. En fait là pour l'instant on va dire que on est un peu au stade de Sims 1 au niveau de notre population dans le sens où on va... ah tiens, un marchand supplémentaire, voilà, très bien, ça me fait des chômeurs en moins. Dans le sens où en fait notre population ne vieillit pas. Et donc là ça va arriver, hein, c'est dans les... est-ce que je promouvois tout le monde? J'ai peur que ça fasse trop d'un coup. Au niveau des maisons, parce qu'il faut que j'arrive à contrôler ça un peu aussi. Autrement j'ai pas de niveau 5. Non, pas encore, donc très bien. On va y aller avec parcimonie. Donc on verra dans le prochain épisode si il y a une autre promotion. Alors, tiens, tu vas faire ça. Des pièces, du pain, des outils, du fer. Perfect. Très bien, très bien. 101 de population, ouais. Il va falloir qu'on commence à augmenter un petit peu. La foi, parce que ça va être un petit peu ricrac. Et puis, la capacité de stockage de l'or. Parce que si on commence à vendre les vêtements, donc aux roturiers, c'est les roturiers de mémoire qui demandent en fait des vêtements.
ça va nous rapporter quand même pas mal de sous, donc il va falloir qu'on ait de quoi stocker tout ça. Et une église, parce que là la population commence à augmenter, mais commence à avoir des difficultés à avoir accès au niveau de la foi, donc il va falloir gérer ça. Donc tout ça, on fera ça dans le prochain épisode, hein, bien sûr. L'épisode actuel est déjà pas mal long, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc ça permet de lancer pas mal de choses. On a eu des petites choses qui sont arrivées qui étaient, on va dire, impromptues. Donc voilà, on a quasiment pas de chômeurs, les gens sont contents, on a à nouveau des sous, on a de quoi manger, de quoi construire, de quoi s'habiller. Moi je dis c'est un excellent épisode, voilà. Et bah écoutez, moi là-dessus, je vais vous laisser. Faut que je retrouve c'est quoi, voilà, la touche. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.